Et salut à tous, c'est Exerve, on en est à la quatrième session de God of War. Donc on a terminé une quête annexe, j'ai récupéré pas mal d'XP. J'ai récupéré des éléments aussi là pour améliorer mon pommeau, mais pour l'instant j'ai pas croisé d'autres forgerons. Ouais, je pense que les loots sont assez fixes, hein, de manière générale. Et je dois également trouver des morceaux d'un code pour apprendre une langue que je ne maîtrise pas encore, pour ouvrir l'accès à je sais pas quoi. Gouffre de Volund. Il y avait un tonneau juste là et je l'ai raté. Et en termes d'argent, ouais, 23 000. Je sais pas quand est-ce que je vais recroiser le forgeron, mais je pense que je vais pouvoir m'acheter deux ou trois trucs. J'espère que j'aurai assez de matériaux. Ah, on a beau dire, c'est quand même vachement classe. J'ai vu le corbeau là-haut. Boum. Ah, qu'est-ce qui se passe ici? Ah d'accord, des fois il y a des espèces de trésors à creuser comme ça. Assez fou par contre, c'est que vous imaginez que les lieux sont quand même assez étroits. Je trouve que c'est assez compact et pourtant il y a tout le temps des trucs à fouiller quoi. Ouais. Allez hop. Passe devant mon fils. Look here. I was wondering about this. Les mines de Volund. Salut Batman. L'acier. Les fragments d'écailles du serpent monde. D'accord. Ça va servir. Quelle détente, ce gamin. Pas le fils d'un dieu pour rien, lui. Ah bah voilà, j'en parlais. Good. Now when you're done gawking, I got a favor to ask. Ah bah voilà. Ça y est, le nain qui va me demander d'aller dans les mines. Read on y it. Est. Yes, sir. Bah écoute, moi je trouve ça très cool, Batman. These runes read death inside. Ah, super. C'est fermé. Qu'est-ce que tu veux me demander? Dwarf? There's this alchemist on Vari, been working out in the Velander mines. You haven't heard from him in maybe, I don't know, 100 winters or so. Probably dead, but maybe you can find him. He's dwarfing like me, wears a fancy green ring. Owes me a favor. You look? If it is on our path. Oh, I see how it is. Not a something for nothing type, are you? Fine. Bon, bah si tu fais la quête, je te donnerai de l'XP. Bon, bah si c'est de l'XP alors. This entry stone here ought to get you inside those mines. Entrer dans les mines, cool. Alors, amélioration. Ah ouais, je peux tout améliorer là. Might as well have a look see inside, don't you think? Cool. Protection de la taille. Alors ça fait défense. Force. Ouais oui, moi je veux augmenter la force. Boum. Armure, pommeau. Ah oui, c'était ça alors. Vous pouvez voter votre arme de pommeau. Chaque pommeau augmente vos stats et confère des atouts uniques.
de vos actions au combat. Alors ça fait quoi? Forte chance d'obtenir un atout grâce à chaque lancer de précision, à chaque coup de fendoir, chaque lancer, à chaque coup de fendoir. Récupération, je crois que c'est... C'est quoi déjà récupération? Réduit le temps de récupération des attaques runiques. Ah oui, c'est bien ça, je vais faire ça. Boum. Et talisman, je peux faire quoi? Octroie une barrière d'invincibilité pendant plusieurs secondes quand Kratos a atteint un niveau critique. Bref, bonus de force quand la santé a un bonus critique. Ouais. La hache, je peux pas l'améliorer. Le carquois. 5000. Ah ouais, c'est un peu cher. Protection des avant-bras. Acier doux. Ah, je vais pouvoir tout améliorer. Ah non, ça il faut de la poussière de royaume. Ok. Les enchantements. Augmente la vitalité, les ruines, les machins. On s'en verra peut-être plus tard. Ah, bon, je peux tout vendre. Boum. Allez, j'ai renouveau plein de sous. Donc si ça c'est 5000, je vais lui payer. Je crois que je lui ai pas équipé. Ah, j'en ai aucune idée, Susano. Je suis pas du tout calé dans tout ce qui est rétro gaming. Je sais pas à quoi ça sert le chiffre 1 là-haut là. C'est une espèce de rang, j'imagine. Augmente la force et la chance. Ah, remarque, la chance c'est pratique aussi. J'aurais dû augmenter celui-là. C'est pas grave. Merde, j'ai oublié de le... Ah bah je peux le réaméliorer encore. Voilà. Encore l'augmenter une dernière fois. Regarde-la, pourquoi tu la voudrais la revendre? Ça me regarde pas, mais... Ok, ah oui, d'accord, le manche, ça change juste ça. Lui, il a pas de runes, pas d'armes. Ah putain, les menus de ce jeu. Emplacement. Ah oui, du coup je peux acheter des emplacements, des enchantements plutôt. Non mais je vais en trouver après parce que je me souviens que j'en avais trouvé. Allez, on va aller faire la mine. Said his friend was dwarven like him, wearing a green ring. Look if you wish. I will be gathering resources for our journey. You want to help him? No. Why not? Because I do not run errands for dwarves. Ouais, enfin, t'es quand même en train de le faire. Dwarven, but no ring. One of his crew? Scorch marks along the floor and wall. Weird. I guess we keep looking. We. I mean, I'll keep looking. Ouais, les menus, c'est ce que je disais, Zampa, là, c'est vrai que c'est un peu la misère. Bah écoute, moi je suis à quoi 4 heures de jeu. Ça se passe bien. Ah d'accord, il avait besoin de sa hache. Oh merde, c'est quoi ça? No hell, afterlife, ever. It does not attack. Ah. Mom made them sound more dangerous than that.
Then do not drop your guard. Come. Ok. Ah, encore un trésor. C'est ouf parce que le changement de structure du jeu, là, il est violent, quoi. Là, on passe complètement dans le délire, je vous dis, action RPG, quête annexe. Va me chercher ci, va me faire ça. Ah, oups, j'aurais peut-être dû le faire tomber sur le gros méchant. Ou sur eux. Alors, on va commencer à essayer nos nouveaux copains. Mais merde! Ah oui, c'est vrai que j'ai le contre aussi. Donc je pense à l'utiliser ça. Ah bah voilà! Et merde, je vais pas avoir le temps de l'utiliser mon attaque. Ouais, là le combat vient de vachement plus diversifié d'un coup. Tu peux pas grimper là? Comment je vais faire pour l'envoyer là-haut? Là? Attends, il y a un truc que j'ai raté ou pas là? Je peux pas le faire monter le petit. T'as vu quoi toi? A chaque fois qu'il me dit ça, y'a rien. Ou alors il me disait ça pour le truc que j'avais fait tomber tout à l'heure. Pas trop. Je peux pas grimper par là, je peux grimper là j'imagine. Non, mais ça va pas m'aider. Ah mais il y a un d'accord, je vois une caverne derrière, ok, donc je vais faire le tour. Super. Le petit Kratos, ouais. Bon, par où faut aller? Moi, je viens... Ouais, je viens d'ici. Là, j'ai vu qu'il y avait un coffre. Parce que je viens d'acheter des compétences pour me battre à main nue, en fait, donc je les utilise. Ah merde, attends, il va falloir encore que je trouve. Attends, je peux peut-être faire tomber là-haut. Ouais, donc là j'ai fait tomber un des sous. Où est-ce qu'ils vont être cachés encore? Ah
Il y a de l'argent là, manifestement. Où est-ce qu'ils vont être les sauts? Vous avez entendu un corbeau? J'ai peut-être entendu, mais j'ai pas vu où c'était. It's another treasure map. Alors, mort et boursouflé. Je l'ai pas déjà trouvé celui-là? Merde. Ah bah du coup j'avais pas dû voir le trésor alors. Ouais, faudra que je revienne. Les autres sauts, où ils sont? Ouais, c'est un corbac normal là. Là, il y a un énorme truc. Ah, on peut pas avoir le trésor si on n'a pas débloqué la map, ok. Ça explique. Interesting. Qu'est-ce que t'as trouvé? Attends, il y a une rune là. C'est le ring on that severed hand. Attached to the soul eater. Comme par hasard. We know what happened to Invari now. You can just go tell Brock. Poe needs to fight it, right? No, we will fight it. Why? Because you are frightened of it. Bon, alors du coup, ça fait 2 sur 3 là, les runes. Est-ce que je vais la trouver la troisième? Voilà, c'est fermé. D'accord, en fait, les cauchemars se mettent dans la tête des mecs. Oh, le contre! Eh, mais ça les tue pas complètement à chaque fois. En haut à droite, je sais pas, j'ai peut-être juste pas vu. Comment ça le fait rebondir le machin? Ah mais ok, les contres c'est un peu craqué quand même. Faudra que je teste du coup en plus difficile si ça change quelque chose. Je sais pas s'il est encore là, Calder. Je pense que je devrais aider.
Alors, en haut à droite. Ah non, pas ce saut là. Un vrai saut. T'as dit, je l'ai peut-être juste pas vu. Ah, il est là. Je l'avais pas vu. Oula. Salut Chimère. Ouais, effectivement, ça marche mieux. Hein. Moins de soucis de son. Avec ce truc, j'avais peur que ça marche pas, mais non, ça marche très bien. Donc, nickel. Ah, mais c'était pas un coffre cette fois-ci, c'était une porte. This is crazy. How are we supposed to kill something made of rock? Be strong, Atreus. Non, attends. And look for a weak point. Yes, sir. Si, ouais, c'est ça. Là, je viens d'ouvrir ce truc-là. Ok. Donc, en fait, j'ai fait le tour, à part ce truc-là, mais bon, ça doit être de l'argent. Mais il y a un mode New Game Plus ou pas, Zampa Kuto? C'est ça que je me demandais, moi. S'il y a un New Game Plus, ça vaut le coup de le refaire en God of War à ce moment-là. Mais de le commencer direct comme ça, c'est spécial. Hein. Allez. Bonne chance, tout ça. Stay quiet. Make no sound movement. Raté. Bon, il s'en fout. Il s'en fout à quel point. Est-ce que je peux acheter le machin qui renvoie les projectiles ou pas? Ah oui, non, ça c'est 3000. Ouais, donc je vais pas pouvoir l'acheter de suite. Il s'en fout complet, hein. Ouais, il s'en fout complètement. Alors attends, je vais essayer de l'attirer peut-être vers les machins qui explosent. Ah, mais non, oui, d'accord. Quand il tire, en fait, je peux lui. Ouais, mais alors le problème, c'est que je peux pas et me soigner et faire ça. Est-ce que je vais pas mourir, moi, connement? Ah oui, bah oui, d'accord. Là, c'est bon, voilà. Ok. Boum. Il suffisait de ça. Ah merde! Ah, j'avais pas vu. Bah, j'ai même pas lu ce que tu disais, Rotsuku, mais si c'était le truc... Kill something made of rock. Be strong, Atreus. Stay focused and look for a weak point. Yes, sir. Stay quiet. Non, non, mais c'est pas grave. Voilà, on va être un peu un minimum tolérant là sur les trucs de spoil. Pour les combats de boss, de toute façon, vu que je lis pas le chat. Faire comme ça là les gars, me cacher derrière le truc. Tu veux pas venir là où ça explose? Allez, boum! Allez, allez!
Ah non, les deux coups qui... le 1 PV. Ah, il a été gentil avec lui pour la première fois. Ah bah on a eu l'anneau. The alchemist. But where's the rest of him? Ashes most likely. Well, it's too late now. I guess we should bring this back. I, Zigward of the Knights of Katarina, fight by your side. Ah, il y aura un new game plus. Bah tiens, moi je vais me garder ça dans un coin de ma tête alors. Augmente de 20% la résistance aux brûlures. D'accord. Pas si utile que ça pour l'instant. C'est des objets qui sont costauds. Toujours classe hein, les endroits où il y a plein de cristaux. Hein. C'est vrai que... On va avoir du mal à m'en prendre. Hein? Il y a une technique qu'on peut exploiter dans le jeu. Tuer le boss, ramasser le loot et mourir contre les mobs. Ah ouais? Sérieusement? Non, tu peux faire qu'une partie par profil, Crazy. J'avais juste pas vu ta question, en fait. Il y avait pas un coffre. Time out, la modo. Quel coffre? Vous avez vu un coffre? Ah oui, putain, ouais, le machin, il est... Tout va bien. J'étais ailleurs. Troll de glace. Attaque runique rapide. Onde de choc radial rapide qui ralentit les ennemis et les projette en arrière. Oh, ça a l'air bien ça. Et ça remplace. Plus 1 en givre, plus 1. Ah, c'est pas mal quand même. Hein. Ah, et je peux les améliorer ces pouvoirs-là, mais je savais même pas. Ah, putain. C'est ouf. Putain, ils ont vraiment réussi à tomber dans tous les pièges des RPG modernes avec les menus qui sont imbitables, quoi. J'ai l'impression que c'est devenu la tradition. Ah, du coup, je peux améliorer mes pouvoirs. Bah, je le savais pas. Faudrait que je le note. Je peux faire une save différente. Ah bon? Je suis pas sûr, hein. Je le tenterai pas, moi. Je préfère me créer un compte invité pour faire jouer quelqu'un d'autre... plutôt que de risquer de supprimer la sauvegarde. Parce qu'en plus, je sauvegarde presque pas dans ce jeu, j'utilise la sauvegarde automatique. Ouais, il suffit de changer d'utilisateur. Ça marche pour tous les jeux, Crazy. Ça représente quoi sur l'échelle de Monster Hunter? Ah bah non, on en est quand même pas là, hein, faut pas déconner. Mais c'est pas ouf, quoi. We will ask the blue one. So now you're interested? We found his alchemist. A reward was promised. Alors attends, on va essayer du coup. Ah, ça marche bien. D'où il est super rapide comme ça, lui. Ah, ça pète tellement. A decent start. Ah, il commence à être sympa avec lui, ouais. Sur ma partie God of War, je m'en étais arrêté où?
après le... Juste après le... l'étranger. Mais rien que pour arriver à l'étranger, j'en avais chié. Alors je sais pas s'il faut aller là ou s'il faut aller là, du coup. Je suis curieux. Parce que ça, c'est pas juste pour revenir de l'autre côté. On va essayer. Ah non, c'est encore un autre chemin. Ouais, si, c'est ça. En fait, c'était juste un petit chemin alternatif. Histoire de dire. Youhou! J'ai pas essayé la VF. J'ai joué qu'en VO. J'avais envie d'avoir Christopher Judge en Kratos, quoi. Salut à tous ceux qui arrivent. Ouais, tu peux annuler ta barre de rage à tout moment. Parce que je voyais pas qu'il avait un bouclier, mec. Ouais, le combat à main nue est vraiment ultra efficace, hein. En comptant le contre plus la chop finish là. Et un peu imba, j'ai l'impression. Ah, j'ai pas du tout trouvé moi par contre que le mode God of War c'était gratifiant à jouer. Je trouvais ça long surtout en fait. Plus qu'autre chose. C'est le nouveau, ça, Dark Garrett. Ah oui, donc c'était là où je vais revenir. Et ben voilà, on a terminé cette mini-quête. On va pouvoir lui dire que son pote est mort. What you find? You're an alchemist. I'm sorry, Brock. The hand is all we could find. Still wearing the ring. There was a soul eater inside, and well, it must have burned away the rest of him. Suppose you'll still be wanting some compensation, huh? Naturally. Naturally, he says. Miani Feruxi. Très faible chance de tenir un atout barrière protectrice qui immunise contre les dégâts des attaques ennemies à chaque coup de hache réussi. Ah ouais? Bizarre ça. Niveau 3. Donc je vais perdre des bonus, mais j'ai une chance d'avoir des je sais pas quoi. Ah, j'ai plein d'XP aussi. Je vais prendre le truc pour envoyer les projectiles. Je pense que ça me sera utile à terme. Can do that? Sure, dwarves and magic jewels is like flies and pig lips. Supple ones. Amélioration de l'arc serre. Make you something? Ah bah voilà, je pourrais l'améliorer. Augmente les dégâts. Maintenant il me faut de l'acier massif, d'accord. Alors ce nouveau pommeau, il faut quoi? Fragment de serpent monde. Il me faut des écailles de serpent monde, ça j'ai pas. Ah bah je peux l'augmenter lui aussi encore, ceinture en cuir de sanglier. Ah, je suis passé niveau 2, qu'est-ce que ça veut dire? Il serait temps quand même depuis le temps.
Là, il me faut de l'acier doux, j'en ai pas. Acier doux, j'en ai pas. Là, il me faut 25 000, ok. Yeah, boy. Yeah, boy. On monte les runes. Vendre, j'ai rien à vendre. Always a pleasure. Now, fuck right along. Emplacement du rune. Ça veut dire quoi? Ouais, non, mais il a bien augmenté là, mon petit Atreus déjà. Je vais débloquer les nouveaux skills là. Augmente les dégâts affichés par les flèches. Augmente la cadence de tir, c'est pas mal ça. Compétences cachées. Ah oui, d'accord. Combat magique, ouais. Tiens, hop, un petit spoil de la part du jeu. C'est gratuit, c'est pour moi. J'ai rien compris. Emplacement de runes. Où c'est que j'emplace des runes, moi? Ouais, non, mais ça j'avais vu. C'est ouais, c'est ça, c'est juste un indicateur de mon niveau général, quoi. Toujours qu'un seul mouvement. Allez, on se casse. Ouais, j'ai commencé ce matin, Dargaret. Évidemment, Brock, il avait réussi à passer tout son matériel dans cette petite entrée. Parce qu'il est trop fort. Et qu'il est magique. Alors du coup, c'est pas cette zone que je voulais vous montrer. J'avais vu une autre zone optionnelle qui est cool aussi. On va aller la faire. Ah, il a utilisé des portails, donc ça va alors. Ouais, voilà, c'était après cette porte. Et c'était vachement cool. Hey, that looks like a water wheel. Or I guess an underwater wheel. Did you just laugh at that? No. You sure? Yes. Oh putain, il vient de rigoler. I do not laugh. Je ne rigole pas. Je n'ai pas d'émotion. Papouliné. Boy. Yes, sir. Bah, je réessayerai Rotsuku. C'est juste que j'ai pas essayé encore. Puis là, j'ai commencé God of War et j'ai vachement envie de le faire en fait. Ah oui, tiens, j'ai le truc aussi où je devais aller pour voir l'espèce de trésor. C'est là, je crois. Hein. Bon, je vais y retourner vite fait. Salut Décadence. Mais ouais, je vais retester à l'occasion Rotsuku. C'est juste qu'il faut que je regarde un peu, il faudra que je fasse des tests. Et le problème c'est que je vais être obligé de faire des tests en live avec vous. Donc bon bah si ça marche vraiment pas, bah j'arrêterai de le streamer, tant pis. Je ferai une vidéo d'excuses. Larmoyante. Mais j'espère que ça va marcher. Alors ok, tu m'as pas du tout indiqué le bon endroit. Ah, c'est l'ouest. Putain, d'accord.
moi je voudrais aller là, s'il vous plaît. Alors je sais comment là, mon objectif, comment il est indiqué. Peut-être ça. Ouais, il a rien de... Je sais pas, c'est normal que t'aies envie d'explorer Zampakutos, non? J'avais fait le 2 et le 3, God of War. J'ai pas terminé parce qu'au bout d'un moment, je m'ennuyais. Je trouvais ça assez superficiel comme système de combat. Là, celui-là est vachement plus intéressant. Hein. C'est quand même beaucoup plus plaisant. Donc là, il est censé y avoir un trésor. Ah oui, ça y était pas ça tout à l'heure. Pierre de l'oubli. Cette pierre se nourrit d'énergie lorsqu'elle absorbe au contact. Utilisé par les nains qui en font des réserves, permet d'améliorer les pommeaux qui absorbent la santé. Signé sculpté de bravoure. Oula! Ah ouais, donc je vais en fait les rechercher aussi, les objectifs là, les cartes au trésor. C'est où ça? Donc j'ai le royaume de la chasse et la clé du capitaine. Le ventre de l'hydre. Elle repose sous les flots à la pointe d'un pic sous-marin, d'accord. Mode Sognir. Oui, non, mais ça, c'est là où je vais. Salut à tous ceux qui arrivent. Pourtant, il a une pagaie vraiment ridicule, hein, Kratos. Ouais, mais ça a rien d'exceptionnel si tu veux. Non, pas Kratos. Là, je connais la technique. Merde, j'ai oublié ça. Patate qui met quoi. Franchement, c'est vachement plus cool de le jouer à main nue. Hein. Well, it's too late. Hé, Romolinero. Merci. Tu passes juste pour te faire abonner. Merci beaucoup. Boum. Allez, on reste à mâchoire. Je sais pas, Krishna, ça a pas rapport avec le Friendly HUD. Hein. Je pense que c'était plus rapport avec le Turbo Lightning Mode et les réglages visuels que j'avais dû mettre. Ça devait être un tout petit peu trop gros pour le jeu. C'est de l'autre côté. Ça, je sais pas si je peux les ouvrir. Non, ça, je peux pas les ouvrir. Une espèce de corruption bizarre. Non, c'est le mode normal, ça ramasse neige. Ouais, je sais pas. Non, je sais pas. Je suis désolé. Zampakutos, j'aurais du mal à m'enthousiasmer autant. Parce que dès que t'enlèves l'enrobage visuel, c'est un action RPG, on en a vu plein des comme ça depuis un bail en fait. Après, il est plus réussi sur tout ce qui est visuel, technique, tout ça, il n'y a aucun problème. Alors lui, il va me demander de détruire une statue. Ah.
Ouais, je suis assez d'accord, Captain. Ah, c'est ça là qu'il faudra que je le détruise, à mon avis. Ouais, non, pour l'instant, j'ai pas le pouvoir. J'ai pas le pouvoir adéquat. Ah, mais je vais encore plus faire baisser le niveau de l'eau alors. Talisman de protection doré. Alors, activé juste après avoir pris un coup pour récupérer plus vite. Possède un épée passif qui augmente la fenêtre de temps pour les parades et augmente considérablement la défense lors des blocages. Et là, moi, je peux me soigner fort. On va l'essayer un peu, celui-là. Donc, faut que je l'utilise. Attends. Ah oui, non, c'est dans mon armure. Appuyez sur L1 pour activer. Ça s'active tout seul en fait quand je fais une parade, d'accord. My father's grave lies on an island to the east. Do not mistake my mother's statue. Ouais, j'imagine qu'il faut avancer un peu plus que ça, Mathéo, on est d'accord. De toute façon, moi, je cherche pas à le juger ou quoi que ce soit. Je m'amuse. Pour moi, il est bien, je vois pas... Cette zone-là, vous allez voir, elle est super cool. Je pense qu'on va finir cette vidéo là-dessus. Ce qui est cool, c'est que c'était pas spécialement un jeu que j'attendais. Et au final, bah c'est vraiment bien. Donc c'est quand même agréable de voir de temps en temps les AAA qui se sortent un peu les doigts. Ouais. Pas sur tous les aspects. Mais ils sont quand même allés assez fort. Hein. Ils sont allés assez fort là quand même. Dwarven King? Dwarven King? Have you ever heard of a Dwarven King? No. Encore? Il est partout. Let's do it. Heureusement qu'il est là pour se téléporter. Ouais, donc poussière de royaume, ça j'ai pas. On est d'accord. Moving on then. Ah oui, c'est Ilk. Et ça y est, maintenant Atreus va s'énerver. Et là vous allez voir, c'est vachement cool. Merde. Alors. I'm out of breath. Bon, bah après, sa voix doit être un peu égalisée, un peu compressée. Mais il a une grosse voix quand même. Hein. Non, je suis en mode normal. Ok. Well, scorch marks. They're all grouped together. So maybe they were hiding from some kind of fire breather. Mm-hmm. Tu vas voir. But they died anyways. Ah oui, d'accord. Après une parade, je rappuie sur L1. Boom. Ah, ça marche vraiment bien. Thème de combat, y a pas. What does it say? Ça marche bien. Yes, sir.
Veda Dauther. It means hunting death. Great. Boy. Sir. Viens lire. Curse the Dwarf King. Bane of mankind. Sounds like he wasn't a very good king. I wonder why they hated him so much. They are dead now. Doesn't matter. Non, non, ne jetez pas, ne jetez pas des haches sur vos portes. Boy. Stay focused. Wow. Et regardez ça là. C'est pas la classe un peu? Boum. Vous avez vu le... la téléportation du gamin, c'était génial. Donc en fait, le gamin se téléporte pas, il se déplace pour de vrai. Mais du coup, il se déplace très très vite, quoi. Genre. Je crois qu'il a des pouvoirs magiques, effectivement. I guess they must have been pretty important dwarves. Allez, on va lui casser la statue. Here it is. It's gotta have a weak one. Somewhere. Ouh, niveau 5. Boum. Allez, niveau 5, que dalle. Non mais genre, en défi, il m'aurait one shot, je pense. Tellement aucun dégât. Merde. Oh la violence, quoi. Ah, il est pas mort. Boum. Ouais, ouais, mais du coup, tu vois, je trouve ça pas intéressant, Zampa. Parce que de se faire one-shoot sous prétexte que l'ennemi, il a deux niveaux de plus que toi... Non, le timing des... Enfin, ça va, ils sont assez soft sur le timing des contres. Merde, j'ai réussi à le faire. Bah... Attends, il s'est pris... il s'est pris un mur invisible, mâche. Il s'est pris un mur invisible. Voilà. Hmm. Ça va pas suffire, ça? Oh, c'est quoi, ça? Je vais voir après. Ouais, faut juste appuyer sur elle, hein. Alors, attends, j'ai dû rater un passage. Ah, voilà. Et là, elle tombe pas avec ça. Il doit y avoir une marque de l'autre côté. Ah oui, il faut que je le tire ici. Gods do not fall this easily, boy. Ah, c'est une statue. Nor are they a joking matter. Sorry. Pas de blague. Interdit les blagues. Father, why did the god
gods cause so much trouble for us? Because that is their nature. But donc ça c'est quoi? With all that power, you would think at least some of them would try to make life better for people. Non mais je vais chercher moi-même Zambi, t'inquiète pas. Chaque fois je vais trouver. This is life, boy. Should we dock on this beach? Tu chopes de l'or comme ça. Non, vas-y, chiffon. Boum. Et du coup j'ai l'impression que j'ai un bonus parce que maintenant je suis plus haut élevé qu'eux quoi. Oh l'attaque. Ça là-dessus y'a rien à redire hein. Putain mais comment ils ont une patate. C'est ouf. Ah ouais, du coup, maintenant qu'ils sont à un niveau de moins, voilà, on leur roule dessus. Atreus, follow me. Je sais pas si vous entendez le bruit en arrière-plan. Mais c'est très cool. Les animations de combat, non mais ils ont pas joué en fait, ils devaient pas avoir les manettes en main parce que ça marche vraiment ultra bien quoi. C'est quoi ça? Genre une faille ou... Le mec qui met la main. Joseph. Poussière de royaume. Ah excellent. Bah, c'est de ça dont j'ai besoin. Pour les... pour les talismans. J'ai pas tout fouillé en bas, je vais vite fait quand même. C'est bien ça, de la bonne patate. Ok, j'avais oublié que j'avais acheté ça. Ok. Ah bah ça va être vraiment pété ça. Cette animation pour le renvoi de projectiles. C'est vraiment des gros bourrins les mecs qu'on fait ce jeu. Non mais c'est bien là, je commence vraiment à m'éclater. Ça fait plaisir. Attends, je peux rien faire là? Ah merde. Non, il faudra que je fasse le tour. Oh bah l'histoire elle est simple. La mère du gamin est morte. Il doit amener ses cendres en haut d'une montagne et tu vas l'accompagner. Voilà. Et en chemin, tu vas probablement tuer quelques dieux. Voilà, bon la routine habituelle quoi.
Je voulais juste ouvrir ce coffre. Si, je vais aller lui dire que j'ai cassé la statue. Mais je vais me balader parce que vous allez voir, c'est cool. J'ai pas fini la quête, mais j'ai juste vu le truc et je me suis dit ok. Je sais pas si vous avez vu. Voilà. Donc je savais pas qu'ils avaient des dragons eux aussi, mais... Et regarde, on tourne douter, tout était. Bon, ça c'est bien. Je viens de platiner God of War. Déjà ? Non, mais t'as pas dormi ou quoi ? Après le côté platine, tout ça, moi c'est vrai que je m'en fous un peu, mais. Enfin, je m'en fous beaucoup même. This dragon is dangerous. Il va me siffler dessus là. Merde, c'est quoi ça? Oh putain! Là, il nous fait comme le truc là, j'ai déjà oublié son nom dans Monster Hunter. Ah mais attends, c'est ça là. Il faut que je le casse, d'accord. The dragon shrine. Mother had a story about three chained dragons in Midgard. The shrine must be related. There were three runes on the pedestal. We've got to find the other two and three of them. It does not concern us. I know, but if your mother would have warned you, it just seems right. Guard your emotions, boy. Your enemies will not hesitate to use them. Mais... Yes, sir. Il y a un truc là. Ah ouais, il y a un corbeau. Boum. Ok, alors attendez, parce que là, c'est un peu le bordel. Pourquoi je peux pas? Merci, encore un méchant. Ils veulent même pas me laisser à récupérer mon objet. Je comprends pas. Je suis toujours en combat, c'est ça? En revanche, je pourrais peut-être venir qu'eux après avoir libéré le dragon. Il est où, là? Une rune, ça?
Il y a des seaux à détruire. Ok. Putain, je vais jamais avoir le temps. Voilà. Putain, depuis le temps que je voulais juste utiliser cette attaque. Ah ouais, il peut l'étrangler et tout. C'est la plage où je suis arrivé a priori. Ah, c'est un saut ça encore. Ok, bon il m'en manque plus qu'un, du coup je vais pouvoir ouvrir un coffre que je sais même pas. Je sais même pas où il est le coffre. Je vais pouvoir l'ouvrir. Merde, alors là je peux pas. Y a pas genre un truc à... avec Fifi explosé. Bon. Est-ce que je contourne? Ah bah il est là le coffre. Putain, ils me font ouvrir un coffre pendant que je me fais tuer par un dragon quoi. Bonne ambiance. C'est bloqué. Oh, ça va être ouf. Qu'est-ce que c'est ça encore comme statue? Oh. I guess this actually was a pretty... J'ai envie d'essayer celle-là. No longer. Ah bah voilà. Boum. Ah ça va tellement commencer à m'amuser ça. Il vise bien à l'arc le gamin quand même. C'est excellent. Attends. Ah, raté. Je peux me soigner par contre. Voilà. Tiens, la petite flèche à travers le caillou. Bon, alors le dernier saut là du coffre, il doit être ici. Ah ok, c'était là où il y avait la chaîne tout à l'heure. Non, non, remonte, remonte. C'est pas le saut, ça? Non. Où est-ce qu'il pourrait être? Salut à ceux qui sont en train d'arriver. Installez-vous, on continue. Ça va faire une longue VOD, mais j'ai bien envie de faire toute cette zone. J'espère qu'elle dure pas 2 heures.
Bon, tant pis, ça fera une grosse vidéo. Bon, j'ai dû le rater le saut là, mon ami. Ah, si je réussis un contre, je peux lui faire R3 direct. Attends, si je réussis un contre, je peux lui faire R3 direct. Putain, mais du coup, ouais, effectivement, ça, en fait, dès que t'as ça, ça va quand même vachement simplifier le mode défi, quoi. Enfin, simplifier, non, c'est juste que du coup, va falloir leur faire plusieurs fois d'affilée, parce qu'ils ont trop de vie, mais... Ah, c'est quoi ça? Yes! On va ouvrir le coffre. Allez, encore une corne. Follow me, Atreus. Hop. Téléportation dans mon dos. Ah, il était là. Et... Salut Banzai Suits. Boom. Well, that's over. Bon alors attendez, on souffle. Le dragon il est là. Qu'est-ce que j'ai fait de plus là? J'ai détruit deux trucs. Alors trois. Troisième est où? Ah, le troisième est là. Il y a une grotte. Ok, donc je vais passer par ici. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Alliage de leptir. Saut de la hache. Oh, pas mal ça. Augmente de 6% les dégâts infligés par les lancers de hache. Ah, et c'était une carte au trésor. D'accord. Boy. Yes, sir. Ceux qui ont fini là, cette zone, c'est encore long ou pas? Pour libérer le dragon. Alors, est-ce qu'il me faut, genre, je sais pas, 15-20 minutes ou il me faut encore une heure? Ok. Ça va. Est-ce que le dragon est séquestré par une princesse? Alors non, mais ça aurait été marrant. Ah! Ah oui, c'est tombé. Donc, un espèce de ça, là. Non, il y est pas. Ah voilà. Ah oui, et celui-là c'est celui de l'autre, d'accord. Pas bon ? Ah oui, il était à l'envers. Ok, autant pour moi. Ouais, bon, bah, j'allais faire ça alors.
So they still had faith in their king? Even after he got so many of them killed? It is a command to have faith despite his failures. Boom. Allez. Bon là, mine de rien, on commence vraiment à sentir le côté ils peuvent plus rien faire contre moi quoi. Tiens. Merde. Ah oui, il explose à la fin, j'ai oublié. Salut à ceux qui arrivent. Tirer quelque part là ou quoi? D'accord, donc c'était juste un levier. Alors attends. C'est par là que je dois aller ou pas? Ouais, ok, ça c'est bloqué et là. Ah, c'est que j'avais un autre chemin par ici. Ah bah non, mais ça m'amène au même endroit. C'est cool. Tiens. A ruin. Well, yeah. But if a dwarf built it, they must have been impressive back when he ruled. C'est The Witcher 3, ouais, pas loin. Ah non, on peut pas ouvrir les volets. Ah non, j'ai cru que c'était un corbeau lumineux là. Ramène où ça? Ah super, bah voilà, c'est bon. Ouais non, effectivement ça va vite, je vais pouvoir libérer le... Alors attends, par contre, faudra m'expliquer comment le dragon il peut tirer genre là, mais il peut pas faire exploser ça. Ou alors je suis trop tatillon, peut-être. Bah ouais, mais dès qu'il y a un contre dans un jeu, moi j'ai envie de l'utiliser, ça marche trop bien. Salut le chat. Ça va, petit chat. Merde. Ah putain, je croyais que je l'avais libéré.
Je peux aller en bas par contre. Quoi ? Je les aime pas trop, alors je préfère les tuer comme ça en fait, ça va plus vite. Merde, il y en a d'autres derrière forcément. C'est un piège protégé, il y a une protection spéciale, ouais. Ils avaient pris l'assurance anti-dragon. Et oh, dis donc, la clé USB là, faut pas y toucher à ça. Chat. Non. The Dwarf King made his subjects hunt dragons and other monsters for him? Some king, huh? Ça marche en pleine tête ça. Marc, attends, lui, je pense que c'est un mec qui jette des trucs. Non mais je vais y aller après au dragon. Je vais bien réussir à revenir par là, je pense. Ça sent quand même la grosse porte là. Je peux pas dire mais. Father, you may want to see this. Looks like that lever over there will free him. Ah putain, un machin de feu. Ah, mais je l'avais pas fait tout à l'heure. Your emotions again, boy. Ignore them and ready yourself. Okay. J'imagine qu'il faut le tuer. Ouais. Bon bah allez hein, à l'attaque. Je peux peut-être réussir à lui faire monter sa barre de... Non. Oh putain. Allez, boum! Putain, j'ai plus de vie. Je n'ai plus de vie. Je n'ai plus de vie du tout. Il est gentiment rentré. Il est sympa. Il est re-rentré dans sa cage. Ah oui, c'est bientôt l'heure du manger, toi. T'as reconnu. Bon, alors, refaisons. Oh putain, je lui mets des bons taquets là.
Ah oui, mais c'est ça, c'est que ma vie, elle tombe. Attends, je vais remettre mon talisman qui fait que je récupère de la vie, là. Parce que là, je vais mourir. Il n'y a pas un truc de vie, là? Si. Ah bah il a anticipé mon saut. Ouais, je vais essayer ça. J'ai pas vu qu'il avait une marque sur l'épaule. Ah oui, merde. Sa barre de vie avait pas été affichée encore. Ça commence mal. Putain, mais ces dégâts de feu là, c'est pas possible. Ah, attends, j'avais pas un truc qui me permettait de résister au feu. Alors, déjà, ça, ça va être bien. Hey, Dwingvat, merci. Oh! J'avais pas vu un truc qui me permettait de résister au feu ? J'ai halluciné. Saut du protecteur de feu. Ah, je l'ai déjà ! Merde. Putain. Oh là là, mais les dégâts, c'est pas possible. Ah ouais, c'est vrai qu'il a des formes là. Non, j'ai pas l'impression que ça lui fasse quoi que ce soit dans l'épaule. Mais si, parce qu'il a une pierre là. Et si, t'as raison. Non, mais alors va viser. Non. Oh putain, ah, il me fait vraiment mal. Je vais peut-être aller un peu tôt le voir lui. Salut Binac. Ah non, c'est pas brouillon, c'est assez bourrin, mais non, ça fonctionne bien. Bon, qu'est-ce que j'ai pas pigé? Je vais peut-être essayer de rester loin, remarque. Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont fous, hein. Oh putain. En plus, si j'ai un objet derrière moi. Ils sont vraiment trop gros les dégâts de feu. Hein. Je reste proche de lui, ça marche mieux.
Oh merde. Ça sert à quoi que je gagne de la santé là? Alors, j'ose pas imaginer en mode hard celui-là. Merde, elle est où là? La santé. Je peux pas te fatiguer. Si, voilà. Allez, on peut le faire. Putain, en plus il me soigne, c'est bien ça. Ah bah voilà, boum. Le loot, tu sais, on dirait Diablo quoi. Qu'est-ce que j'ai chopé? Délivre une puissante attaque infligeant des dégâts d'étourdissement. Ah, merci tout le monde. Comment ça s'appelle? Condemnal. Pourquoi je peux pas l'équiper? Ah, je peux pas l'équiper parce que c'est pas encore. Hein. Alors, inflige une puissante attaque infligeant des dégâts d'étourdissement et repousse les ennemis à proximité. Procède un effet passif qui réduit le temps de récupération lors des blocages et des parades réussies. C'est pour moi ça. Alors ça fait quoi? Ok, c'est cool. Je sais pas combien de temps ça prend à récupérer, mais ça a l'air cool. Ah non, je suis en mode normal. Mais je pense que j'étais peut-être un peu arrivé un peu tôt sur ce boss-là. Vu que c'est un truc optionnel, à mon avis, j'étais pas censé être là aussitôt. Puissant lancer de hache qui fauche tous les ennemis sur son passage. Ah bah putain, on enchaîne là. Oh, ça m'a l'air pas mal ça. Opération 40 secondes, ouais. C'est vachement des dégâts. Ça m'a l'air bien. Et je peux l'améliorer pour faire plus de dégâts. Non mais je vais garder un peu. Compétences. J'aurais pu prendre qui marcherait bien. R2 pour faire la frappe de bouclier. Ah c'est ça qu'il me faut. 2000. Bon bah on va prendre ça. On est d'accord que c'est pas normal qu'il y ait 3 bouteilles là. Non, ouais, elles étaient pas là, juste pour ça. Et donc le chat là, qu'est-ce que tu... Non. Pratique d'avoir un chat. Ok, bon, j'espère que je vais pouvoir arriver au dragon. Je pense qu'on va arrêter là après. Ah, fresh air feels good. M'étonne. Ah bah voilà, pile poil.
Sir. Ce que je retiens, le gameplay principalement. Bon après tout ce qui est technique c'est assez impressionnant. Mais le gameplay est vachement cool, hein. Le système de combat est vraiment plaisant. Je retenterai peut-être en augmentant un peu la difficulté, juste pour revoir un peu la différence et me repersuader que j'ai bien fait de changer. Et là j'ai terminé. Marque brillante du dragon. En sprintant 3 secondes, vous obtenez Aura imparable, qui empêche les attaques ennemies de vous interrompre. Oh, c'est pas mal ça! Ça marche comment? Ah, c'était quoi ça? Forte chance d'obtenir grâce runique. Eh oui, les parades. Ah, je vais quand même les... Parce que les parades, j'en fais souvent, donc... On va essayer ça. Non, ça n'a rien à voir avec Dark Souls. Ok, ah, il y a 3 dragons à libérer. D'accord. Fermer les brèches du royaume, les chambres cachées, les corbeaux, les fresques. Compétences. Utiliser les capacités de talisman 15 fois. Faire tomber des ennemis, tuer des ennemis. Ok. Saisir les ennemis étourdis. Ah oui, bah ça, je vais y arriver assez vite, je pense. Très bien. Follow the clues, boy. Right, right. Follow the clues. Okay, so there was an evil dwarf king, and he made all these people hunt monsters. The people put them in cages, and then, I don't know. We are missing a clue. Back inside the castle? No. There is nothing more for us inside. But stay on a tour, là. For chain dragons, boy. Perhaps you'll uncover more about this dwarf king. Ah ouais, c'est ça, aura imparable. Follow me, Atreus. Donc dès que je cours, j'ai 3 secondes derrière lesquelles je peux être... Putain, ça va être génial, parce que du coup, j'ai qu'à courir autour d'un boss, et boum, le tabasse, le tabasse, le tabasse. Pas mal. Non, je crois pas que les mobs rip-hop. Enfin, je me suis jamais retourné sur une île pour vérifier, donc j'en ai aucune idée. Écoutez, je pense que là, on a bien avancé cet après-midi. Je vous disais, hein, ça s'ouvre vachement là, à partir de là. Et là, on est vraiment en territoire de « j'ai encore jamais vu tout ça ». Donc je vais juste aller retourner rendre la quête. Allez, ça sera fait, on va arrêter après. De toute façon, le farm marcherait pas trop. Ah ouais, moi je kiffe, Julien. Le système de combat est vraiment cool. C'est pas l'espèce de tuerie que tout le monde a annoncé, mais bon, je pense que l'effet claque technique, la côté baf graphique a bien marché sur pas mal de gens. Hein. Ce soir, je pense que je continuerai celui-là. Parce que j'ai vraiment envie de le continuer, en fait. Et que, de toute façon, bah du coup, Dark Souls, c'est sur la JVTV, donc comme il y a des gens qui me suivent que là-bas. Donc à mon avis, là je vais faire une grosse pause et puis on se retrouvera sûrement dans la soirée. Ah, j'ai commencé à 10h ce matin, Gaïa, ça va, hein. Je pense que j'ai fait mon quota de stream. La direction artistique, je suis pas ultra méga fan. C'est vrai que tout ce qui est choix de faire du réalisme à chaque fois, c'est pas toujours mon kiff, mais ils ont quand même fait un beau boulot sur les couleurs et surtout sur tout ce qui est ambiance et lumière, quoi. Là, il y a vraiment du taf. Alors, est-ce qu'il y a des nouvelles choses? Je peux améliorer. Ah oui, maintenant que j'ai des poussières de royaume, je peux améliorer tout ça. Me permettre d'augmenter ma défense. Ouais, mais je sais pas encore, je connais pas tous les... J'ai pas encore tous les talismans, donc c'est quand même dommage de pas le...
Ah bah je peux encore améliorer ça. Alors. Le torse. Ah merde, il me manquait un acier. Oh, j'aurais pas dû le... Bon, c'est pas grave. Le carquois. Réduit le temps de rechargement des flèches. Ouais, je pense que je vais lui prendre. Il y a des trucs à vendre de toute façon, non? Oui. Et acheter, ils vendent juste des symboles classiques, donc ça sert à rien. Oh, je vais améliorer. Salut Notelvin. Et la hache, j'ai toujours pas de flamme de glace, donc je sais pas comment faire. Fabriquer. And for Junior? Non. Now there's something else. Qu'est-ce qu'il a raconté? You ever hear of a dwarf king? I suppose you're talking about Motsignir? Some bitch ruled over the humans once lived in this area. Built itself a castle just north of here. A dwarven castle? What's it like? On en revient, mec. Comment tu sais pas à quoi il ressemble? Come. Et il y avait un dragon, vous êtes sûr? Bah, on vient de le libérer en fait. Donc c'est vrai que bon, mine de rien, s'il y a des grosses zones comme ça optionnelles à chaque fois, moi ça me motive bien à avancer. The statue stands no longer, spirit. Cool. The bond of this realm is severed, and I am off to find the real God of Thunder. He will know retribution. My deepest gratitude. Ta-ta-ta. Off he goes. Ah, j'ai chopé une offrande à Tyr. Sert à quoi? Sert à quoi? Permet de fabriquer l'armure de Tyr. Putain, il y a des objets de... Et des objets de 7, j'en suis sûr. What did the spirit leave us? An offering to one of the gods. Ouais, mais c'est vachement justifié par l'histoire, hein, le fait que t'es le petit gamin avec toi, donc c'est pas gênant de l'avoir dans les pattes tout le temps. Puis en plus, en combat, il sert vachement. Il y a toujours un rapport avec la mythologie, bah globalement oui, hein. De toute façon tu te balades au milieu de la des dieux nordiques, donc j'imagine qu'à un moment donné tu vas en fâcher un ou deux un peu trop fort, et à partir de là ça sera la galère. Ah mince, moi je voulais marcher dessus, je voulais l'écraser avec ma hache, mais j'ai pas réussi. Le petit il est utile hein, en combat. Il fait des petits trucs sympas. Hein. Je suis sûr qu'après, du coup, quand il aura ses histoires de pouvoir magique, là, ça sera encore mieux. Mais regarde. Hook. Non, je sais qu'il m'a rien fait, le crabe. Ok, allez, on va arrêter là. Moi, je vais faire une pause. On va couper le stream. Merci d'avoir été là toute l'après-midi. Et puis, bah normalement, je vous dis, je devrais continuer ce soir. De toute façon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire God of War. Une fois que je l'aurai terminé, je repasserai sur The Witcher. On fera les tests pour voir si tout fonctionne. Sachant que vu que demain c'est lundi, j'aurai un peu de boulot, donc on va reprendre le rythme normal, c'est-à-dire certains soirs, un peu dans l'après-midi, mais pas constamment non plus. À très bientôt. Salut à tous. Ciao.